Bon, une habituée, c'est un bien grand mot, mais par contre, je suis particulièrement ravie de pouvoir présenter Afrique, qui est sorti en janvier 2017 aux Plumes de Chris, Afrique, A'FRIC. Alors, c'est vrai que c'est un nom un peu provocateur, mais pour moi, c'était important. Parce que c'est une façon aussi de dire ce que je pense et de ne pas rester silencieuse par rapport à tout ce qui se passe sur notre continent africain. Ben, en Afrique, c'est un peu difficile. Hein. Il y a eu les élections au Gabon, il y a eu les élections au Congo, il y a eu les élections au Bénin. On ne peut pas dire que ça soit toujours très très bien passé. Et qu'aujourd'hui, moi, ce qui me questionne, c'est que, quels que soient les pays où se passent les élections, les otages sont la population. Et à un moment donné, il faut se questionner. On va dire que, effectivement, pour le moment, je pense que comme je suis également béninoise, je suis vietnamo-bénino-congolaise, donc je compte aussi beaucoup sur Monsieur Talon pour faire quelque chose de bien, comme tous les Béninois l'attendent. Alors blasé, non, impressionné, oui, parce que c'est vrai que le Salon Livre de Paris est une plaque incontournable quand on a des livres à présenter. Et moi, je suis ravie d'être là, ça me permet de vous rencontrer, de rencontrer aussi des auteurs que je ne connais pas. Et puis bon, faut dire les choses telles qu'elles sont, de faire la promotion de mon livre. Hein. Alors, les gens m'ont découvert sous un aspect un peu différent, parce que c'est vrai qu'en général, j'écris plutôt des contes, des nouvelles. Là, cet opus, qui n'est pas très, très grand, mais voilà, il est fait en trois parties, puisque la première partie, en fait, c'est le parcours de deux jeunes filles qui vivent une guerre civile, et elles se questionnent comment elles vont faire. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu nouveau pour moi, ce sont des poèmes, ce sont 30 coups de poing, je dirais, pour dire, voilà, pour dénoncer ce qui se passe en Afrique, parce qu'on a eu un passé difficile, mais je me questionne beaucoup sur l'avenir. Et la dernière histoire est quelque chose de plus intime, puisqu'il s'agit en fait de mon histoire, l'installation de mon grand-père vietnamien, Thanh Van Sao, qui a rencontré une jeune femme congolaise. Voilà. Mais de toute façon, le continent africain est déjà un continent de rencontres, hein, de par sa position, de par la richesse de ses ethnies. Et pour moi, en plus, je dois rappeler quand même que cette année, dans le cadre du Printemps des Poètes, le thème était l'Afrique. Et pour moi, c'était important d'être dans le thème. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.